Hey, salut les amis, c'est Brasier, votre gamer préféré, du moins je l'espère. On est reparti donc pour la boutique du jour du 26 juillet 2022. Donc voilà, on commence avec le retour du pack sable doré avec Midas Vacancier. Les sables scintillants cachent forcément quelque chose. Il fait partie de l'ensemble Été clandestin, disponible depuis la saison 7 du chapitre 2. Touché d'or, les armes se changent en or. Quand vous vous équipez, les tatouages deviennent un peu plus dorés au fil des éliminations. Voilà. Avec son skinboard du fantôme, qui est son petit accessoire de dos, un dispositif de déplacement aquatique fourni par le fantôme, voilà, avec ses trois customs différents. Et la troisième custom, voilà. Et la troisième custom, donc voilà. Ensuite, vous avez l'ombre dorée sur son petite collette, l'or brille même dans l'obscurité. Le noir et or, qui est son petit revêtement d'armes. Et autour d'une glace, c'est l'écran de chargement. Midas et Julie renouent les liens à la plage. Voilà, tout ça pour 2000 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Midas vacancier avec son skinboard de fantôme pour 1600 V-Bucks. L'ombre dorée pour 500 V-Bucks. Le revêtement pour 500 V-Bucks également. Ensuite, vous avez le retour de la sorcière surfeuse. Jeter un mauvais sort sur la plage. Fait partie de l'ensemble plage maudite disponible depuis la saison 3 du chapitre 2. Avec ses deux custom différents, son accessoire de dos réagit, s'anime lors des éliminations, voilà. Et son étoile imbriquée, produisez votre propre éclat, donc voilà, c'est son outil, son accessoire de dos, pardon, pour 1200 V-Bucks. L'Astro H, c'est son outil de collecte pour 800 V-Bucks. Voilà, les amis, pack et hors pack, donc c'était à la une. Ensuite, vous avez le retour d'artificiaire pour 1200 V-Bucks, une tenue artificielle rare, saison 1, chapitre 1. Pour 1200 V-Bucks. Julie la cuirassée, elle a retrouvé un autre usage à toute cette ferraille. Il fait partie de l'ensemble moteur intrépide, disponible depuis la saison 6, chapitre 2. Avec sa cape d'OHM, conçue à partir de microfibres de nanotissage. Voilà, tout ça pour 1200 V-Bucks. Alors vous avez une première petite emote audacieuse. Affirmez votre posture, saison 2, chapitre 2, pour 500 V-Bucks. Prise 14 et action, saison 4, premier chapitre pour 200 V-Bucks. Le fossile volant doté d'un aérodynamisme prétoriste, c'est parti ensemble style reptile disponible depuis la saison 3 du chapitre 1 pour 500 V-Bucks. Quel sera votre propre record? Burbe, saison X, premier chapitre pour 200 V-Bucks. Voilà. Ensuite, le retour du pack de lapin blanc avec la bullet time de Neo. Je ne pense pas que ce soit une question d'espoir, c'est simplement une question de temps. Partie ensemble, suivre le lapin blanc, disponible depuis la saison 1, chapitre 3. Avec le coup de pied de Trinity, évite celle-là. Et le code binaire, qui est le petit revêtement d'armes, tout ça pour 800 V-Bucks, les amis. Ensuite, vous avez le bullet time de Neo, donc hors pack, pour 300 V-Bucks. Le coup de pied de Trinity pour 300 V-Bucks également. Le code binaire pour 500 V-Bucks. Voilà, les amis. Le pack est hors pack, donc. Ensuite, vous êtes sur le pack King James avec LeBron James et son bling du King qui sont accessoires de dos. LeBron Toon Squad avec son sac à dos suprême. Le roi du terrain, c'est l'écran de chargement. Et pour les LeBron, comme pour le bling, en faisant des cas supplémentaires, vous pourrez débloquer au niveau or. Donc voilà pour 2500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack d'équipement de King James avec le lion et le lion qui est le petit squelette envergure qui est le petit planeur. Avec l'appel au silence, c'est la petite emote. Et chacun des deux, pareil, vous pouvez débloquer des. Voilà, vos deux lions et envergure deviennent de plus en plus dorés en accomplissant les quêtes. Consultez la section quêtes diverses pour vérifier votre progression. Déverrouillez un curseur de niveau or. Voilà, pour niveau or pour 1800 V-Bucks. Ensuite, vous avez les Brown Gems et son Bling Bing. Et ces deux quêtes pour 2000 V-Bucks. Le lion avec la quête légendaire à faire pour 1200 V-Bucks. L'envergure avec sa quête légendaire pour 1200 V-Bucks également. LeBron Toon Squad avec son sac à dos suprême pour 1500 V-Bucks. L'appel au silence pour 200 V-Bucks. Voilà, donc c'est pack et hors pack. Ensuite, il y a toujours le pack Petit Cornet avec Petit Cornet et son canigou qui sont accessoires de dos. La glace à l'eau qui est son outil de collette. Le sandwich glacé, c'est le petit planeur. Le revêtement, c'est l'enrobage. Et la petite emote, c'est trop bon. Et la petite musique, bon petit cornet, tout ça pour 2500 V-Bucks, c'est le prix du pack. Hors pack, donc vous avez petit cornet et son canigou pour 1500 V-Bucks. La petite emote, c'est trop bon pour 500 V-Bucks. La glace à l'eau pour 800 V-Bucks. Le sandwich glacé pour 800 V-Bucks également. L'enrobage pour 300 V-Bucks. Et pour finir, la petite musique pour 200 V-Bucks, voilà. Pack et hors pack. Ensuite, vous êtes sur le pack cristal plongeuse avec cristal plongeuse et sa tailleuse arc-en-ciel.
avec son gem porte-bonheur et ses 12 customs différentes, ainsi que son écran de chargement, tout ça pour 1300 V-Bucks. Hors pack, vous avez cristal plongeuse pour 800 V-Bucks, la tailleuse en arc-en-ciel 500 V-Bucks, les gemmes porte-bonheur pour 400 V-Bucks. Voilà, donc pack et hors pack. Ensuite, vous avez toujours Ruby Estival avec son sac translucide pour 1200 V-Bucks, les ventreuses rayées saison de Colette pour 500 V-Bucks, le pack Nomade Estival avec, avec Nomade Estival, pardon, son pistolet sorbet qui sont avec ses sortes de dos, c'est Rupture 2, c'est une petite collecte, le Kizumi, le revêtement, et les ailes nomades, c'est son petit planeur, tout ça pour 2500 V-Bucks. Hors pack, vous avez Nomade Estival et son pistolet sorbet pour 1500 V-Bucks, les Rupture 2 pour 1200 V-Bucks, le Kizumi pour 500 V-Bucks, les ailes nomades pour 800 V-Bucks, voilà. Ensuite, vous avez Julie Desplages et son rouage pneumatique pour 1200 V-Bucks. La serreuse aquatique pour 500 V-Bucks. Le Brutus Desplages avec son sac à, sa sacoche de plongée et sa pelle à sable pour 1300 V-Bucks. La Terreur Desplages avec sa planche fluo pour 1200 V-Bucks. L'étoile fluo qui est le revêtement d'armes pour 300 V-Bucks. La Bombette, c'est le petit planeur pour 500 V-Bucks. Le Roi des Flamands pour 800 V-Bucks. Le Flamand de Jardin, son outil de collecte pour 500 V-Bucks. Le pack d'un outil de collecte, cuillère de glace, fait partie de l'ensemble Miss Cornet, disponible depuis la saison 3, chapitre 2, avec Cornet Vanille, qui est un accessoire de dos, pardon, avec deux customs différentes, et le Capé Veroni, voilà, tout ça pour 1000 V-Bucks. Alors pack, vous avez la série Bleuvage, vous avez Bernard, l'accessoire de dos, fait partie de l'ensemble Génétique Clandestin, lui aussi, pour 400 V-Bucks, et Bernard se cache dans sa coquille quand vous subissez des dégâts. Voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack Harley Quinn avec Harley Quinn et son argument massue qui sont en premier petite collette. Le deuxième, la batte de Harley. Et pour finir, des quêtes pour déverrouiller des styles supplémentaires, les gars. Tout ça pour 2000 V-Bucks. Ensuite, Harley Quinn et les styles déverrouillés pour 1500 V-Bucks hors pack. Avec la batte de Harley pour 800 V-Bucks. L'argument massue pour 800 V-Bucks également. Ensuite, vous avez Harley Quinn Rebirth avec ses deux customs différentes pour 1200 V-Bucks. La vengeance de Harley, c'est son accessoire de dos. Accessoire de dos réactif, souffle à chaque élimination, le décompte est suivi de la tempête pour 400 V-Bucks. Donc, voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez toujours le pack Best Boy, avec Best Boy, ce soir à canapé, ainsi que sa batte de Best Boy. La singerie, c'est la petite emote pour se transformer en singe, tout ça pour 2000 V-Bucks. Hors pack, vous avez Best Boy, soirée canapé, avec la singerie qui emote pour 1800 V-Bucks. La batte de Best Boy pour 800 V-Bucks. Le pack Deathstroke Zero avec Katana de Deathstroke qui est son accessoire de dos et son outil de collecte. Avec son petit planeur, les ailes ravageuses de Deathstroke et tout ça pour 2000 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Deathstroke et son accessoire de dos et son outil de collecte pour 1800 V-Bucks. Les ailes ravageuses pour 800 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous êtes sur le pack Flash avec Flash et sa force véloce et son accessoire de dos. Les tailladeurs de force véloce et son outil de collecte. La petite emote sur le pouce. Et pour finir, l'écran de chargement, tout ça pour 2200 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Flash avec sa force véloce pour 1500 V-Bucks, sur le pouce pour 400 V-Bucks, les tailleurs de force véloce pour 1200 V-Bucks, le Black Manta avec la tenue Black Manta avec son accessoire de dos sac de Manta pour 1500 V-Bucks, les lames de Manta c'est son petite collette pour 800 V-Bucks, voilà, donc pack et hors pack. Ensuite vous avez le pack Catwoman Zero qui fait partie de l'ensemble Batman.0 saison 6 chapitre 2 avec ses griffes cramponneuses pour 1500 V-Bucks. Catwoman, donc juste le skin pour 1200 V-Bucks. Les griffes cramponneuses pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack tenu Catwoman du comics avec, qui est parti vraiment celui-ci de l'ensemble Gotham City, saison X, premier chapitre, avec son chat précieux, son accessoire de dos, ses griffes félines, son outil de collecte et la petite emote claquement de fouet. Tout ça donc pour 1800 V-Bucks. Ensuite, vous avez Catwoman du DC donc avec son chat précieux pardon, pour 1500 V-Bucks. Les griffelines pour 800 V-Bucks, le claquement de fouet pour 300 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack Wonder Woman avec Wonder Woman, sa cape de Diana, son accessoire de dos. L'âge d'Athéna, l'outil de collecte. Les ailes de l'aigle d'or qui sont petit planeur, qui est trop stylé. Avec son écran de chargement et la petite emote des brasses des Phaistos. Tout ça pour 2400 V-Bucks, les amis. Hors pack, vous avez Wonder Woman et sa cape de Diana et les brasses des Phaistos pour 1600 V-Bucks. Les halages d'Athéna pour 800 V-Bucks, les ailes de l'aigle d'or pour 1200 V-Bucks, voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez toujours le pack Batman Kiri, avec Batman Kiri et son perchoir de Robin qui sont accessoires de dos, la faux Death Metal qui est le petit outil de collecte, les ailes de l'hilarité qui sont planeurs, tout ça pour 2200 V-Bucks, c'est le prix du pack. Hors pack, vous avez Batman Kiri avec son perchoir de Robin pour 1500 V-Bucks, la faux Death Metal pour 800 V-Bucks, les ailes de l'hilarité pour 800 V-Bucks également, voilà.
Ensuite, vous avez le pack de Batman Zero, donc en armure, avec Batman Zero en armure, avec sa cape et Exploplaneur qui sont accessoires de dos, l'âge Batarang et l'Exploplaneur de Batman qui sont planeur pour 2100 VBEC. Hors pack, donc vous avez Batman Zero et son armure avec son accessoire de dos pour 1500 VBEC, l'Exploplaneur de Batman pour 1200 VBEC, l'âge Batarang pour 500 VBEC. Voilà les amis, donc c'est Batman Zero avec son armure. Ensuite, vous avez le pack Batman Zero, donc sans armure, donc avec sa cape usée, sa hache cramponneuse qui sont une petite collette, les ailes de Batman Zero et l'écran de chargement pour 2100 VBEC. Hors pack, donc vous avez Batman Zero et sa cape usée pour 1500 VBEC, les ailes de Batman Zero pour 1200 VBEC, l'hache cramponneuse pour 800 VBEC, un autre pack d'équipement de Batman avec le Batglider qui est un autre planeur, la musique, le croisé en cape, le Batignal, notre petit emote, et pour finir, le Maître Martial qui a une deuxième petite emote, tout ça pour 1500 VBEC. Hors pack pour 1200 VBEC, donc vous avez le Batglider qui est donc le planeur, le croisé en cape qui est la petite musique pour 200 VBEC, le Batignal pour 300 VBEC et le Maître Martial pour 300 VBEC également. Voilà les amis, pack et hors pack. Ensuite, il y a toujours le pack Blue Sport avec son spécimen Starro qui sont accessoires de dos, le sable de l'Argus qui sont outils de collette, le revêtement de le camouflage de Blue Sport, donc ses petits revêtements d'armes. 1, 2, 3, 4 aérosol en plus pour 1800 VBEC. Hors pack, vous avez Blue Sport et son spécimen Starro pour 1500 VBEC, le sable de l'Argus pour 800 VBEC, le camouflage de Blue Sport pour 300 VBEC. Voilà, pack et hors pack. Ensuite, il y a toujours le pack, un nouveau pack. Quête de Saphir de Aguirre de Saphir pour 12€ avec Charlotte Fatale, la même Charlotte, la même épée maudite, mais avec 30% de possession en plus. Elle fait partie de l'ensemble Aguirre de Saphir, disponible depuis cette saison et ce chapitre. Donc elle vient de faire son entrée dans la boutique, les amis, pour 12€. Elle est grave stylée avec son serpent de Saphir, son accessoire de dos, est capable de réguler l'énergie du plan démoniaque. Avec son épée antidémoniaque renforcée, a été forgée grâce aux écailles du serpent de Saphir. L'essai Véloce, l'alternative parfaite lorsque votre épée possédée est hors service, donc un deuxième outil de collecte. Et le revêtement d'armes, ça peut sinueux, il est trop beau, donc tout ça pour 12€ les amis. Et vous pouvez alors, apparemment, il a trouvé le serpent de Saphir désormais. Accomplissez des quêtes pour obtenir des VBEC grâce à un pack de quêtes de l'Aguirre de Saphir. Le pack de quêtes de l'Aguirre de Saphir, obtenez jusqu'à 1500 VBEC en accomplissant des quêtes. Donc en plus, vous pouvez gagner 1500 VBEC en plus en achetant ce pack. Voilà, en accomplissant les quêtes, tout ça pour 12€. Ensuite, vous avez toujours le pack Zaza animé pour 2300 VBEC avec Banane Cartoon et son Michel Banane, la Banane au Morteau qui sont une petite collecte, le Bruce Sky Cartoon avec sa ruche rétro. Et sa flappie de fleurs qui sont une petite collègue. Donc, et pour finir, le petit planeur, le zinzin planeur, tout ça pour 2300 VBEC. Ensuite, j'ai toujours le pack guerrier du bord de mer pour 2400 VBEC avec Ras et Rivage avec son épine cubesque, qui est son accessoire de dos. Keuf Surfer avec son panier de profondeur. Corps officiel avec des câbles de chaîne, tout ça pour 2400 VBEC, les amis. Ensuite, j'ai leur petit pack d'équipement, donc pour 1200 VBEC avec le coutelas de corps, le couchant royal et le sable cubesque pour 1200 VBEC. Ensuite, j'ai toujours le pack légende estivale pour 16€ avec chaperon estival, zoé tropicale et banane de plage avec chacun besace du trappeur, sac dorsal et cabana banana, tout ça pour 16€ les amis. Ensuite, vous avez toujours le pack du règne du skatepark pour 16€ avec un accès permanent à la campagne Sauver le Monde. Gagnez 1500 VBEC en accomplissant les quêtes quotidiennes dans Sauver le Monde. Terminez la défense du bouclier anti-tempête base de 3 pour déverrouiller les quêtes quotidiennes et entamer ce pack de défis qui comprend la tenue, une Tony, la planche à olis en accessoire de dos et le bâton roulette qui sont une petite collette, tout ça pour 16€ les amis. Après, vous avez toujours le pack Maître du Magma pour 15€ avec Cuno incinératrice et son gamma double feu. Le Ragnar ardent et ses ailes enflammées. Le Roi des Flammes et son poney infernal. Pour finir, vous avez le pack Légende Ardente pour 16€ avec Molosse de Guerre et Valkyrie Ardente, avec la Capacimée Ardente, les ailes de Valkyrie Ardente et le Pyro Dragon. Tout ça pour 16€, les amis. Et sinon, vous avez toujours la possibilité de souscrire au Club Fortnite pour 12€ par mois, les amis. Ce mois-ci, vous offre l'accès permanent à la campagne Sauver le Monde. Si vous êtes déjà place de combat, il vous rembourse 950 V-Bucks. Vous recevrez 1000 V-Bucks à la date de facturation du club, pardon. Ce mois-ci en cadeau, c'est toujours Findra, donc avec son accessoire de dos, son outil de collecte, son petit planeur
le revêtement et l'écran de chargement. Donc voilà, tout ça pour 12 euros par mois. Sinon, pour me soutenir et soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas le code de l'été, le code Brazil dans la boutique qu'il faut renouveler absolument tous les 14 jours. En minuscule, en majuscule, vous l'effacez tous les 14 jours, vous le remettez. Vous mettez ABCT. Et moi, ça aide énormément. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, un petit commentaire, le partage si tu veux. Et si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire en bas et à droite de l'écran. C'est totalement gratuit. Merci. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.